à son élu. Bon, on va jouer bot cette game. Le kit Goku imprimé me met bien. Ah, on est d'accord, il est excellent. Putain, merci, enfin quelqu'un qui me fait la remarque, bordel de merde. Oh. Bienvenue dans la faille de bordel la de merde, personne m'a fait la remarque depuis tout à l'heure. Tout affront fait à un dragon est un affront fait à la justice. Ouais, bah on gagne pas, hein. No joke. On a notre Salas qui a FK mine là. Hop là les bouffes! Comment je reset, je vais aller m'acheter mon épée longue de zinzin. Yo frérot, t'es contre mon jungle? Ah bah il vient de hint. Bah il vient de hint, ah, je te le dis. Je te le dis, il vient de hint. Oh par contre, faut que j'aille topside. Un poster, une image Google imprimée, un drapeau volé au loco, let's go le décor. Va bien te faire foutre, Fanzy. Tu veux prendre un permaban? J'ai essayé de faire comme je pouvais, en fait de base j'avais prévu plein d'autres trucs mais... Vas-y bref, de toute façon je vais pas me justifier, je fais ce que je veux. J'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux, mon décor il est incroyable. Ça me représente bien. Cherche-moi encore hein, tu vas prendre ton permaban dans ta gueule. Je suis la tempête qui fait rage. Tu sais que j'arrive, hein, il a bien raison. Arrête, Warwick peut pas Q, genre. Il va se faire cesser. Sauf si mon Zac ratait son Q-spell, qu'il a raté. Au final, ça passe tout seul. C'est carré. Je jure que plus aucun dragon ne succombera à la corruption. Ah, je pensais que c'était une potion. Aucune vermine ne primera ma puissance. My bad. Je pensais que c'était une foutue potion. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec Sanidali là? C'est parce qu'ils veulent m'invade? Même pas, il avait déjà pris mon bleu. Ok. Oh, elle est encore là. Sauf qu'ils m'ont vu cette fois-ci. Ah ouais, mon Q-spell il est parti où là? Mon Q-spell est parti où? Non, premier degré, no joke. Où est parti mon Q-spell? Comment elle peut l'avoir esquivé genre? Oh là. Ok, on peut reculer mais je peux me réavancer. Quelle chambre de fou frère, ça fait 3 fois il dash, 3 fois il envoie des Q-spells max range. Mais what? What? J'étais dessus? Non c'est abusé. C'est abusé. Bon déjà il a pas de CD, c'est abusé, mais alors là, what?
Comment ça? Non mais... Non mais bon bref, bon bref. Alors je préfère ne pas en parler. Elle script. Ouais, ça va être ça, ouais. Ouais, niveau 6, le Warwick. Nul serviteur du mal ne résistera à la tempête. En fait, faut qu'on mette devant le Aphelios. Le problème, c'est qu'il se fait turbo déchirer. Saraka fait des rotates au mid pour essayer d'aider le Sylas, mais c'est un peu relou. Tant qu'il récupère sa wave, I guess it's ok. Hop, c'est que ouais, on a pas trop de setup pour tuer la botlane. En plus de ça, ils ont une cleanse. Si vraiment ils veulent pas mourir, ils jouent vraiment safe. On va pas réussir. Hein. Excellent silence, excellent silence. Parce que du coup il pensait qu'il était bloqué parce qu'il a cleanse. Il a cleanse dans la. Dans le silence. Sauf que du coup il pensait qu'il était bloqué, alors que c'était pas du tout le cas. Il s'est semi-arrêté. Finalement ça nous a permis de le tuer. Je vais courir top. Oula. Il est impassif? Ok, il est impassif. Oh! Outplayed? Outplayed. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Bien joué, Zach. C'est un peu osé hein, ce kit, etc. Puis il y a un monde où il panique, il dash dans le kit de Nidalee, mais. Je pense que ce 2v2 est un peu complexe, on va pas se mentir. Après elle a start de l'Hérald quoi, ça qui est chiant. Wouah, je suis foutax. Ouais, je suis foutax. Y'a la Nami, je savais même pas wesh. Comment c'est possible?
J'avais pas du tout vu qu'il y avait la Nami. Et mon mythe ne gagne pas 5v1, genre il se fait juste marcher dessus. Du coup j'ai pas de pressure top, pas de pressure bot, pas de pressure mid et pas de... Bah en vrai même pas de pressure bot en vrai. Étant donné que la Nami rotate. La Soraka aurait dû faire de même. J'ai complètement outplay. Hein. No joke, je les ai outplay. Hein. Ah. On les a outplay de baiser, what the fuck? Ce qu'on vient de leur faire. Soraka n'a pas le même impact en termes de round que Nami. Bah en vrai je pense qu'elle m'aurait aidé à jouer mon 2v2 en tout cas. On aurait gagné parce qu'elle avait un niveau d'avance la Soraka. Mais parce qu'en soi c'est juste la réflexion hein, qui va différencier. Après bien évidemment Soraka n'a pas de CC etc, donc on n'aurait pas pu réellement initier quoi que ce soit, mais on aurait pu au moins répondre à la prise de l'air. Ok, bon on est vraiment bien dans la game. Le Stapacho qui est plus loin. Je n'ai pas renoncé lors de mes épreuves, et Aoshin ne renoncera pas à moi. Voilà. Ouais, je l'ai kick, il a quand même que sur moi. Ambiance chelou un peu. Oh. Pour les dragons. Ouh, ouh. Oh, 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 oh. Oh, ce que je viens de lui mettre. Oh, ce que je viens de lui mettre. Oh. Je m'amuse bien aujourd'hui, putain, qu'est-ce que je me sens bien. Qu'est-ce que c'est bon d'être à la maison. J'ai l'impression de pas être faible mécaniquement, je suis là avec ma souris, mon clavier, ma table. Je suis ressourcé. Ok, attention à l'équipe. J'arrive et débute. Mes points foudroyants.
Ah, il pourra pas. Soraka aurait dû rester niveau. La puissance du dragon des tempêtes coule dans mes veines. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut juste taper la tourmide. Hein. C'est mieux de récupérer la tourmide que de récupérer les kills sur le Samnami. Donc. Voilà. Ça te réussit les Kajimi de 1 mètre carré. Ouais ouais ouais, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ce foutu 1 mètre carré, no joke. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je fais ça je pense. Sans broken. Si j'ai une Death Dance, je vais avoir une. Je vais avoir full item regen, c'est incroyable. D'ailleurs question, est-ce que vous, vous dans le chat vous voyez, parce que moi il y a marqué Raider de Sakor sur Lisa, bon, qui est ma modératrice, mais vu que j'imagine qu'elle était sur le stream de Sakor en même temps que le mien, est-ce que vous aussi vous voyez le genre skip up au-dessus des personnes qui utilisent le chat, genre Raider de Sakor etc, pas du tout. Ah, que moi qui vois ça. Ok. Parce que moi du coup je suis spam de... Genre en gros ça... vos messages sont énormes. Parce qu'il y a un grand truc comme ça pour me dire oh là là attention il vient du stream de Sakor. Non mais du coup ça, ça doit être une vue de créateur, laissez tomber. Rien compris. Bah. La heal, j'aurais pu tuer les deux si jamais elle l'avait pas heal. Mais du coup vu qu'il me fallait une auto supplémentaire pour me tuer, je vais surprendre. J'étais obligé de kick. Parce que justement en fait je cherche à enlever moi le truc où il y a marqué Raider de Sakor partout. Ouais. J'en ai rien à foutre de savoir qui vient d'où quoi. Regarde en bas, il y a un surbrillance, c'est un truc. Ok, je ferai ça pour ma game. Deviens un viewer. Ouais, mais du coup, je peux plus diffuser si je deviens un viewer. C'est un peu relou. J'arrive bot. Ouais, on s'en fiche de vos origines, les gars, mais c'était du Varigo. En vrai, ouais. Il manque combien? 400? Nera! Non! GG! Ah la game de fou! Carré!
Carré. Ah, belle game, belle game. Voilà, bon, la lumière commence à s'assombrir, il va falloir que j'allume la mienne. Pour moi, en vrai, on peut se laisser comme ça, en vrai, il fait encore assez jour. Hein. Bah, arrêtez de mentir, je suis pas 1m75, oh bordel de merde. Il faut que je batte mes propres modos maintenant, c'est abusé. La diffamation en boucle. Qu'est-ce que j'honore? En vrai, j'honore mon Zach, je pense qu'il a fait une excellente game. Il a bien joué, il est jamais mort, il a toujours attendu que je sois là. Franchement, il a fait une belle partie de jeu. Je vais regarder un petit peu les dégâts qu'on a fait. On a fait 16 000, on est premier dans la partie. Des bisous sur YouTube, abonnez-vous, voilà la classique. Hop, ça repart.